and death reigned upon human race. Depuis Adam jusqu'à nous. Since Adam till us. Mais Dieu n'a pas seulement que dit ça. But God did not only say that. Il dit, he says, l'homme, man, devrait souffrir pour se nourrir. Have to suffer to feed himself. C'est là qu'il y a plusieurs sortes de calamités. That's what there were a lot of calamities. La femme, the woman, pour enfanter, to be God, est obligé de connaître les douleurs de l'enfantement. To have pains to give to deliver. Tellement que le péché originel, because original sin, a désorganisé le plan initial de Dieu. Disorganized the initial plan of même God. La terre, even the earth, a commencé à produire du ronce. Started to produce reed. La terre est devenue incultivable. The land became uncultivable. Et l'homme devait se battre, and man had to fight, pour gagner son pain. To have his bread. Cette image, that image, pour dire, to say, le jardin d'Éden, the garden of Eden, s'est transformé en désert. Transform itself into a mais wilderness. Mais il y a une prophétie, but there is a prophecy, d'Isaïe, of Isaiah, qui a dit, who said, Dieu, God, en son temps, in his time, changera le désert, will change wilderness, en étant. In Oasis. C'est le temps de la restauration. It is a time of restoration. Mais ce temps de la restauration, but that time of restoration, est associé à un événement. Is associated to an event. Et cet événement, and that event, c'est l'œuvre parfaite de la croix. Is a perfect work of the cross. De telle sorte que, in such a way that, que le sang de Jésus, when the blood of Jesus, qui a coulé sur le bois de la croix, that fell on the wood of the a cross, touché le sol, touched the ground, surnaturellement parlant, supernaturally speaking, le sol qui était improductif, the ground that was not fertile, dans lequel on ne pouvait pas cultiver. Le sol qui produisait des ronces et des épines. Reeds and stones. Ce sol a été transformé surnaturellement. That soil has been transformed. Mais que la Bible dit, but the Bible says, le sol a été transformé. The soil has been transformed. Mais à vrai dire, but in truth, Dieu était en train de parler, God was speaking, de l'environnement spirituel, of the spiritual environment, dans lequel, in which, ceux et celles qui ont accepté Jésus, those who have accepted Jesus, voient leur vie transformée. See their life being transformed. C'est pourquoi, that's the reason why, quand tu acceptes Jésus, when you accept Jesus, surnaturellement parlant, supernaturally speaking, ton environnement spirituel change. Your spiritual environment tu changes. Entres dans une ère de faveur. You enter in an era of favor. Là où les gens sont obligés de se battre. Where people are compelled to avec struggle. Avec douleur et lamentation. With pains and lamentation. Toi, you, quand tu sèmes, when you sow, c'est-à-dire quand tu fais quelque it chose, when you do something, cette chose, that thing, connaît une productivité. Flourishes. La chose se multiplie. That things multiply. Pourquoi? Why? Parce que l'environnement dans lequel tu peins, because the environment in which you die, est un environnement qui a été transformé, has been transformed, par ce qui s'est accompli à la croix, by what has been fulfilled at the cross. C'est en cela qu'on parle de restauration. It is then that we talk of restoration. Si le péché, on sin, a tout gâté, if sin spoils le sacrifice de Jésus, the sacrifice of Jesus, a tout restauré, restores everything. Mais il a restauré, but he restores, pour ceux qui ont accepté Jésus. For those who have accepted, c'est pourquoi Jesus, déjà par la prophétie, that is why first by the prophecy, de Moïse au chapitre 15, of Moses of chapter 15, le verset 10, verse 10, il dit ceci, he says this, il aura toujours des pauvres, you will always have poor il aura people, toujours des malheureux, you will always have misfortune au milieu people, de vous, in your midst. Cela ne veut pas dire, this does que Dieu, that's God, a programmé certaines personnes pour être pauvres et malheureux. Programmed some people to be poor and mais unhappy. Ces personnes-là, but these people, n'ont pas eu la clé, did not have the l'information key, qu'il faut, the information they pour need, aller là où il faut, to go where they pour need, que Dieu change leur environnement. For God to change their environment. C'est un environnement de faveur. It is an environment of favor. Un environnement d'abondance. It is an environment of abundance. Là-bas, quand tu te trompes, then when you deceive yourself, tu sèmes un maïs, and that you sow a corn, ça te produit des champs de maïs. Je vais parler à quelqu'un. J'ai dit ton temps d'abondance est arrivé au nom de Jésus. J'ai dit ton temps d'abondance est arrivé au nom de Jésus. Revenons sur notre message. Quand Dieu bénit, when God blesses, comme il a béni Adam et Ève, as he's blessed Adam and Eve, cette bénédiction a apporté la procréation. That blessing brought procreation. Ce que Dieu a fait en Adam et Ève, what God did in Adam and Eve, trouve son accomplissement dans la personne de Jésus. Find its fulfillment in the person of Jesus. Parce que Dieu ne change pas. Because God does not change. Ce qui a été, what has been, c'est ce qui est, is what is.
Jésus. Jesus. Devient la personne par qui. Becomes the person through whom. Dieu restaure toutes choses. God restores everything. Ramène les choses à leur place. He brings back things into their place. Ce qu'il avait fait avant que le péché n'arrive. What he did before sin comes. En Jésus-Christ. In Jesus Christ. Dieu rétablit l'ordre normal des choses. God restablished the normal order of things. Ça, il faut le comprendre. You have to understand it. Ce n'est pas parce que. It is not because. Quand tu regardes autour de toi. When you look around yourself. Même il y a des chrétiens. Even there are Christians. C'est dur pour eux. It's tough and difficult for them. Qu'on va croire que l'œuvre de la croix n'est pas parfaite. That people think that the work of the cross is not perfect. Elle est parfaite. It is perfect. Tout dépend. All depends. De l'attitude. On the attitude. La compréhension. The understanding. La manière. The way. De saisir. Of catching. La révélation. The revelation. Dieu a béni Abraham. God blessed Abraham. Et cet héritage. De la bénédiction. And that inheritance of the blessing a été transmis à l'homme. Has been transmitted to man. On ne lutte pas pour avoir un héritage de son papa. We do not struggle to get an inheritance from his father. Pour hériter de ton père. To inherit from your father. De ta mère. From your mother. Il te faut une seule chose. You only need one thing. Établis le lien de filiation. Establish the link of filiation. Apportez la preuve. To bring the evidence. Que celui dont tu réclames l'héritage. That the one that you are claiming the inheritance. Est vraiment ton papa. Is your father. Mais concernant les bénédictions. But regarding the blessings. Ce n'est pas la même chose. It is not the same thing. Les bénédictions. The blessings. Il faut se battre. You have to struggle. Il faut travailler. You have to work. Alors, je permets de vous dire une chose. Then I will tell you something. Si tu travailles. If you work. Que tu as un salaire. And that you have a salary. Ne dis pas que c'est bénédiction. Do not say that it is a blessing. On appelle ça rémunération. It is your wage. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 28. That is why Deutéronome 28. À partir du verset 1. From verse 1. La Bible dit. The Bible celui says. Celui qui obéit à ma parole. Whoever obeys to my words. Celui qui observe mes ordonnances. Whoever observes my celui commandments. Celui qui met en pratique mes préceptes. Whoever practices my precepts. Voici. Here are. Les bénédictions. The blessings. Qui viendront. That will follow. Sur cette personne. That will come on this person. Mais concernant l'héritage. But regarding the inheritance. Il n'y a pas une affaire d'obéir. It is not a matter of obeying. L'héritage. The inheritance. Il faut simplement établir la preuve de la filiation. You simply have to establish the evidence of your filiation. Or. But. Selon les Juifs. According to the Jewish. L'héritage de la bénédiction. The inheritance of the blessing. Est ce qui vient sur le premier né. Is what comes on the firstborn. C'est ce qu'on appelle les prémices. That's what we call the first fruits. Mais quand vous regardez bien les Écritures. But when you pay attention to the scriptures. Entre Ismaël et Isaac. Between Ishmael and Isaac. Lequel devait recevoir l'héritage. Which one was supposed to receive the inheritance. C'est qui? C'est Ishmael. Ishmael. C'est lui que Abraham a eu avec Agar. He was the one that Abraham got with Agar. Mais quand on regarde par la suite. But when we pay attention. On se rend compte. We notice that. Que Ishmael n'a pas reçu la bénédiction. That Ishmael did not receive the blessing. Mais il a reçu. But he received. Les bénédictions. The blessings. Mais celui qui a reçu la bénédiction. But the one who received the blessing. Il s'appelle. His name is. Isaac. Isaac. Pourquoi? Why? Dans la pensée de Dieu. In the thoughts of God. Quand il parle du premier né. When he talks about the firstborn. Ce n'est pas celui qui est sorti premier. He's not the one who came first. Non. No. Le mot prémisse. The word first fruit. Ne vient pas de l'esprit de premier comme on le conçoit. Does not come from the spirit of first coming as we conceive it. Premier.